radio manco appena dormido, sento qualcosa di indefinito, e cosa di mamma ferito, lui me in casa si è fatto un nido. Marturido, chi di lan solo si ingutubado, in una stonda si pertudo, tu violo, mio sol merido, e ti ne si andavo, e ti ne si. Ce siècle avait 5 ans, tout comme toi. Le monde venait de perdre un monsieur nommé Jules Verne, dont l'œuvre tout entière est une invitation au voyage, au rêve et à l'aventure. Comme lui, avant de te laisser, je voudrais te conter une histoire, te léguer un pan entier d'un amour sans fin. Porter faire un voyage extraordinaire au centre d'une passion profonde de 20 000 lieues. Le tour d'un monde bleu depuis 100 ans, pour que toi aussi tu vives comme j'ai vécu, au rythme des exploits, des galères, des peines et des joies. Que tu comprennes et t'imprègnes de ce que peut représenter Avasion et Tolkien. Cette histoire, l'histoire du Sporting Club Brestier, ou Sporting comme on dit. Ou Sporting, c'est un miracle permanent fait de bleu et de blanc, un reflet ardent d'une terre magique et passionnée, la foi de tout un peuple, tragique et coloré. De venir en Corse, comme on était venu du reste il y a 15 jours pour le match d'Ajaccio qui s'était très bien passé. Malheureusement, il y a eu cette catastrophe, cette tribune est pleine. Vous revenez des dieux du drame. Je suis donc allé faire un saut établissement qu'il y a un enchevêtrement incroyable. Je n'ai pas eu sculpté toute la longueur de la tribune, mais la voie ambulance qui ne peuvent pas bouger. Il y avait une visée relativement droite. Dans la zone de l'enclave, ici, c'est un silence de la lagune, 20 mètres de la voie ferrée médiane. Effectivement, il y aurait eu beaucoup de mer, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. La genèse du SECB
se fera à l'aube d'une période que l'on appela la Belle Époque. On ne pouvait rêver mieux. Quel beau nom prédestiné pour un club qui allait connaître de bien belles époques. Que la verve populaire qualifiera d'épopée. Comme toujours, les belles histoires sont le fruit de rencontres, de voyages, de hasards. Et bien évidemment, l'histoire du Sporting est tout cela à la fois. En ce début de siècle, l'arrivée d'un homme qui fait escale dans un petit port de pêche loin de sa Suisse natale va tout changer. Cet homme, c'est Monsieur Rumesch. Lui détient le savoir, la connaissance. Il est le monde qui s'ouvre sur une ère nouvelle, faite d'insouciance, de modernité, et surtout de distractions nouvelles dont le football fait partie. En missionnaire passionné, il porte la bonne parole d'une pratique qui deviendra religion. Il donnera la foi à de jeunes insulaires. Il fera d'eux des pionniers modernes, les apôtres d'une passion sans limite aux couleurs sacrées d'une Vierge bienveillante. Cette passion allait changer la face de ce pays de manière profonde et irréversible. L'histoire des Bleus vient d'éclore. Et depuis, les rêves de victoire poursuivent l'imaginaire bleuté de chacun de nous. Malgré des débuts difficiles, du fait d'une interdiction des autorités locales de pratiquer le football, le vrai sort du Sporting se fera dans les années 20. La Grande Guerre, comme on l'appelle, vient de se terminer, et lorsque l'on sait le lourd tribut que la Corse a payé, on comprend qu'après ces années terribles, l'heure soit à la distraction. On joue au football partout, sur des terrains improvisés comme tu le fais souvent sur la place du village. Pendant cette période, le Sporting ne va cesser de gagner des titres régionaux. Il va devenir au fil des saisons le club phare de l'île, raflant tout sur son passage. À cette époque, les joueurs sont tous corses. Et de ce fait, ils seront le fondement même des vertus qui ont fait le Sporting durant toutes ces années. Amour du maillot, jouer avec le cœur, se dépasser pour ce club qui deviendra l'étendard d'une ville, certes, mais avant tout l'emblème de tout un peuple. C'est dans les années 30 que le club fera l'acquisition du mythique stade de Furiani. Au fil des ans, Furiani y deviendra l'antre de tous les exploits. La cathédrale baroque aux allures austères, l'endroit sacré par excellence. Quand la fièvre monte et qu'elle se fait bleue, Furiani devient alors l'enfer pour les uns et le paradis pour les autres. Comme si le ciel et la terre ne faisaient plus qu'un, dans une communion parfaite. Ici, plus qu'ailleurs, la notion de 13e homme prend tout son sens. Les gens sont viscéralement attachés au Sporting. Ne dit-on pas d'un passionné du Sporting qu'il a le sang bleu ? L'arrivée du président Victor Lorenzi en 1933 à la tête du club va marquer un tournant capital dans l'histoire du Sporting. En effet, durant 40 ans, le père du football corse, comme on le surnomme, va permettre au Sporting de grandir, de gravir les échelons, de franchir des étapes capitales qui le mèneront de l'ombre de l'amateurisme à la lumière du championnat professionnel. Le président Lorenzi fera tout pour que le club arrive à s'extraire du championnat régional, championnat dont il avait fait le tour avec ses 21 titres de champion, ainsi que 19 Coupes de Corse. L'ascension du Sporting sera fulgurante. En moins de 10 ans, il passera de la division d'honneur au championnat de France de première division. Le club va réussir un amalgame détonnant, fait de joueurs corses, ainsi que de joueurs étrangers qui, tout en gardant leur personnalité et leur identité, adhéreront sans souci aux valeurs, aux vertus du club, mais aussi aux spécificités de la vie insulaire.
l'un des premiers hauts faits d'armes du Sporting, outre le titre de champion de France de deuxième division, sera la finale de la Coupe de France 1972 face à l'Olympique de Marseille, déjà sacré champion de France cette année-là. Cette finale marquera le début d'une longue histoire d'amour entre le Sporting et les Coupes. Elle s'avérera joyeuse et belle, mais aussi tragique. En cette fin de saison 1972, le Sporting et l'OM inaugurent le fameux Parc des Princes, qui deviendra quelques années plus tard l'enceinte qui consacrera le Sporting prince parmi les princes. Cette finale laissera un goût amer dans les esprits, puisqu'elle se jouera sur un coup de dé arbitral qui verra l'OM réussir son premier doublé. Défaite d'autant plus rageante que cette année-là, le Sporting était la seule équipe à avoir battu l'Olympique de Marseille deux fois dans la saison, à Fouriane et au Vélodrome. Mais tout cela n'allait être que partie remise. L'année suivante, épuisé, le mythique président Lorenz y se retirera. Comblé d'avoir su donner au Sporting Étoile Club Bastia un prestige et une légitimité parmi l'élite du football français. Une belle page venait de se tourner pour faire place à la plus belle décennie que le Sporting connaîtra. Un illustre penseur du siècle des Lumières avait dit de la Corse: un jour, cette petite île étendra le monde. Cette phrase de Jean-Jacques Rousseau résonne comme un beau préambule à la décennie qui arrive. Décennie qui restera gravée dans les mémoires à jamais. On a tout mis en place et puis maintenant je crois que ça tourne comme sur des roulettes, comme on dit, quoi. Les garçons sont consciencieux, ont confiance sûrement en moi. Ils ont vu que je leur faisais confiance en eux. Vous voyez, c'est vraiment de bons professionnels. Et je vous dis, pour le moment, il n'y a pas un grain de sable à l'engrenage. Le Sporting est désormais une équipe crainte dans toute la France. Surtout quand elle reçoit, dans son enceinte vétuste mais bouillante qu'est le stade de Fourvière. À partir de 1973, les résultats du Sporting sont plus que satisfaisants, puisqu'il joue régulièrement le haut du tableau en championnat et il réalise quelques beaux parcours en Coupe de France. Au cours de la saison 76-77, la plus belle, le Sporting terminera 3e du championnat avec une attaque record de 83 buts au compteur. Les attaquants du Sporting, sous la houlette de Claude Pape, deviennent la terreur des défenses adverses. Ils loupent le titre de très peu. Avec cette belle saison, le Sporting accède de nouveau à la compétition européenne par le biais de la Coupe UEFA. Sans hésitation, ils crieront comme moi. Oh, Bastia, ce coup-ci on y va. Cette coupe on l'aura, on fera tout pour ça. Bastia, nous on va leur faire voir, on va leur faire savoir qu'on n'est pas des flemmards. Bastia, ce coup-ci on y va. On l'aura, on fera tout pour ça. Bastia, on va leur faire voir, on va leur faire voir. Les mots, pense fort et tout haut, n'hésite surtout.
tout bas. Bastia, ce coup-ci on y va. Cette coupe on l'aura. On fera tout pour ça. Bastia, nous on va leur faire voir. On va leur faire savoir qu'on n'est pas des flemmards. Bastia, et quoi qu'il arrive, écoute que coûte, ne vous laissez pas gagner par le doute. Faut surtout pas faiblir, ni leur laisser le temps de rire. Faut même pas qu'ils puissent dire d'où vient le but. Un jour ils comprendront qui étaient les champions. Et sans hésitation, ils crieront comme moi. Oh, Bastia, ce coup-ci on y va. Cette coupe on l'aura. Imagine un peu, Bastia, une petite ville, un club modeste de par sa taille et ses infrastructures, faire trembler toutes les grandes capitales du football européen. Cela paraît incroyable, c'est pourtant ce qui se passera. Pendant cette fabuleuse épopée qui débuta face à Lisbonne, pour se terminer à Eindhoven par une défaite certes, mais aussi bizarre que cela puisse paraître, ce que les gens ont retenu de cette fabuleuse aventure, ce sont les moments de joie. Toutes ces victoires consécutives, cette communion intense entre l'équipe et ses supporters, toutes les villes et les villages de Corse habillés et illuminés aux couleurs du Sporting. Bon, mais quand j'ai vu le stade, quand je suis arrivé ici, j'ai dit ouh, oui, je suis arrivé. Mais après, quand j'ai vu l'équipe, et on a eu beaucoup de bons joueurs, et ça ne m'étonne pas qu'on a réussi juste à la finale. Comme Rep, Rousset ou Platini, est-ce que ça vous met quand même un peu mal à l'aise? Pas mal à l'aise, non, parce que bon, c'est sûr que Platini, Rousset, c'est des c'est super joueurs, mais il ne faut pas compter que sur eux. Et à côté d'eux, il y a des joueurs comme Lopez, Rep, Jean Villon, qu'il faudra aussi surveiller. Et ce soir, il faudra quand même un très bon Bastia pour gagner cette Coupe de France. Et ce soir contre Saint-Etienne, ah ben, on gagnera 2-1, la coupe traversera la Méditerranée. 2-1. Bien sûr, les Verts vont jouer avec leur maillot traditionnel, les Bastiais également, les Bastiais qui ont un peu peur car on leur avait demandé de jouer en blanc. Alors comme on est très superstitieux dans le monde du football, les Bastiais ont dit non, on ne peut pas, même pour la télévision. De toute façon, les Stéphanois sont en culotte blanche et les Bastiais en culotte bleue. Monsieur Georges Conrad regarde son chronomètre, nous faisons de même et le Sporting Club Étoile Bastiais donne le coup d'envoi. C'est parti, Fillard, Martialis, Fillard, Martialis, ah bien fait ça, dans les 7 mètres, Martialis tire, ouais. Milan est pas hors-jeu. Milan trop poussé son ballon. Voilà, voilà. Et le pied gauche. Milan à la limite du hors-jeu va marquer le deuxième but pour Bastia. Très bien joué de la part de l'attaquant camerounais. Etienne, Santini. Et but. But réussi par Jacques Santini, Thierry Guillard. 3%. Pour Henri, peut-être, Henri face à Primard. Non, le poteau encore finale de la Coupe de France, puisque M. Conrad... 13 juin 1981, 22h15. Monsieur Conrad, l'arbitre, siffle la fin de la 64e finale de la Coupe de France. Le Parc des Princes aux trois quarts bleus exulte. Le Sporting Étoile Club Bastiais vient de terrasser le Grand Saint-Étienne, 2-1, grâce à Louis Martialis et Roger Milan. Thank you.
Martin est couronné prince parmi les princes. Comme un symbole, Paul Marchionne, le capitaine courage, reçoit des mains du président de la République fraîchement élu cette coupe souvent effleurée, si souvent rêvée, si proche par moments. Parfois même, on pensait la tenir entre nos mains, avant qu'elle ne s'évanouisse vers d'autres mains que l'on envie. Cette fois, elle est là. Les mains qui la tiennent sont bien bleues, elle est à nous. Je dis à nous, car cette victoire, c'est la victoire de tout un peuple. Enfin, le Sporting, après tant d'essais infructueux, venait d'inscrire son nom au palmarès d'une compétition importante. Et par là même, il venait d'offrir à son peuple la plus grande joie de toute son histoire. Qui a déferlé de Bastia à Ajaccio, du nord de la Corse jusqu'à l'extrême sud, et partout dans l'Hexagone et ailleurs, partout il y a des Corses, car la Corse est partout, la Corse est grande, et la plus grande Corse a vibré à votre succès. Comme je te l'ai dit auparavant, toutes les belles histoires sont faites de hauts et de bas, de bons et de mauvais moments. La période qui va suivre cette victoire historique en Coupe de France ne va pas être, comme tu pourrais le croire, le début d'une autre période faste pour le club, mais bien au contraire, le commencement d'une lente agonie, d'un long déclin qui va durer 13 longues années avec la sanction suprême en 1986. La relégation en deuxième division, après 18 années passées au plus haut niveau du football français. Ce passage dur mais mérité au purgatoire durera 8 ans. 8 longues années avant que le Sporting ne retrouve la lumière de l'élite. Malheureusement, ce retour à la lumière se fera dans la douleur et la tristesse, puisque le club connaîtra la plus grande catastrophe que le football français ait jamais connue. Le vieux stade de Fourian est venu à moi. Exténué, il m'a dit : pourquoi m'a-t-on amputé d'un de mes membres ? Il me manque une tribune. J'ai essayé de leur dire qu'il ne fallait pas, mais les rugissements des pelles mécaniques couvraient ma complainte. Je les ai suppliés de me faire confiance, mais le bruit des armatures métalliques renvoyait ma crainte. Est-ce pour me remercier d'avoir été toujours fidèle aux couleurs que les enfants portaient, lorsque je les portais moi-même, parfois au-delà de mes forces? N'aurais-je donc pas fait l'affaire? Je n'étais plus de taille pour recevoir le bel OM après avoir accueilli tous les grands d'Europe. Le déshonneur s'est abattu sur moi, alors que j'étais connu et respecté dans toute l'Europe. Moi, je ne demandais qu'à passer le témoin en douceur. Partir la tête haute d'avoir aidé ce club dans tous ses combats, dans tous ses exploits.
d'avoir été l'endroit où l'on se retrouvait, toutes générations confondues, parce qu'on s'y sentait bien. J'aspirais à prendre une retraite bien méritée. J'aurais trouvé le temps un peu long au début. Je me serais senti un peu seul. Mais j'aurais eu tellement de bons souvenirs que ma retraite eût été paisible rien que d'y penser. Au lieu de cela, en remerciement, j'ai eu droit à la mort. À la tristesse et à la désolation. En quelques secondes, je suis devenu une cicatrice béante que les siècles n'effaceront jamais. Il y a bien longtemps que je devrais être parti. Qu'à ma place, il devrait y avoir un stade jeune, beau et moderne, prêt pour accueillir de nouveaux enfants, de nouvelles clameurs, de nouveaux exploits. Au lieu de cela, je suis toujours là, forcé et contraint. Dernier vestige de la honte, attendant que l'on me libère pour que je puisse enfin porter ce fardeau dans la dignité. Mayumine Scudera Radio. L'année qui suivra la catastrophe sera une année symbolique, une année fondamentale pour la suite de l'histoire du Sporting. Le club est à l'agonie. Il va passer très près de la disparition, d'une extinction brutale et définitive. Mais c'est sans compter sur la capacité de réaction des Corses. Ne mesure-t-on pas la force d'un peuple à sa solidarité face aux événements tragiques ? Courage et solidarité seront les maîtres mots de cette période trouble. Le courage et la solidarité des joueurs, de l'entraîneur, qui malgré un contexte oppressant resteront au club sans savoir de quoi demain sera fait. Ajoutez à cela un soutien sans faille des supporters, une mobilisation de tous les Corses afin que le Sporting, au sortir de cette catastrophe, retrouve un espoir, un souffle de vie. Et par-dessus tout, faire que la mémoire de ces enfants partis trop tôt soit honorée comme il se doit à jamais. Tout ceci conjugué permettra au Sporting de réussir l'exploit de survivre, de se maintenir à flot, de surmonter non sans mal cette terrible tragédie. Dans l'adversité qu'on voit le véritable sportif, à savoir qu'on est des SDF, c'est-à-dire on est des sans domicile fixe. Vous avez vu, aujourd'hui nous venons à Luciana parce que Luciana a bien voulu nous prêter ses installations. Demain, on ne sait pas où c'est qu'on sera. Je n'ai même pas la peine de me poser cette question. On ne peut pas jouer en première division aujourd'hui à Furiani tel quel stade. C'est tout à fait clair dans l'esprit de tout le monde. Sinon, c'est un mensonge de part. Le Sporting n'a plus de stade. Il est dans l'obligation de s'exiler, de disputer tous ses matchs à l'extérieur, à Ajax ou à Aix-en-Provence. Paradoxalement, ce qui aurait pu paraître comme un handicap sérieux va se transformer en une aventure fondatrice, dont seuls les clubs à forte identité dont le Sporting fait partie peuvent se targuer. Le peuple bleu fera bloc une nouvelle fois derrière son équipe. Et les déplacements à Ajax resteront comme des moments intenses de communion, comme seuls la foi et la passion peuvent sublimer. En effet, l'on assistera à un effort collectif sans précédent qui permettra au club d'éviter une disparition programmée. Le Sporting, tel le Phénix, renaîtra de ses cendres, 2 ans plus tard avec un retour parmi l'élite. Je veux que toute la Corse ressente tout ce qu'on a perdu et je dédierai aussi la montée en D1 pour les victimes.
soutenir notre club. Quand on a le maillot de Bastia, on le mouille. Parce que jouer à Bastia, ce n'est pas comme jouer à Paris ou à Marseille. Ici, il y a l'esprit fort. Un superbe but inscrit par Laurent Casanova à l'enfant de Bastia propulsera le Sporting au paradis. La liesse fera place à la tristesse un instant. Les rues de toute l'île se pareront à nouveau aux couleurs du Sporting. La joie est là. Les salves résonnent. Bastia est de retour, revenu du néant. Le bonheur pouvait de nouveau se vêtir de bleu. Un bleu qui ne sera plus jamais le même, puisque son histoire s'écrira désormais avec les yeux noirs. On était parti pour le maintien et on monte la première division. Alors, je crois que ça veut tout dire. Je réalise pas trop encore. Je vais réaliser demain dans un panneau. Je suis vraiment le plus heureux du monde. En début de saison, j'ai toujours dit que nous terminerions dans les 5 premiers. Dire que nous allions viser la montée serait prétentieux de notre part, mais de toute façon, ce que nous avons fait aujourd'hui n'est que la consécration d'un travail de longue haleine et qui paye, qui paye ce soir. Les 10 années qui vont suivre ressembleront aux premières saisons que le club connaîtra dans les années 70. Le Sporting fera plus que tenir son rang, puisque dès la première année, malgré un maintien acquis au forceps, il atteint de nouveau une finale de coupe, de la Ligue cette fois-ci, nouvelle venue dans les compétitions nationales. Cette finale se joue sur terrain neutre, au Parc des Princes, face à Paris Saint-Germain. L'ironie de l'histoire fait que cette finale aussi basculera, comme en 72, sur une suite d'erreurs arbitrales flagrantes,
qui empêcheront le Sporting de défendre normalement ses chances. Sporting Club, alors Laurent, c'est vrai que cette finale de Coupe de la Ligue, c'est un vrai événement en Corse. C'est, la priorité, c'est le maintien en première division, mais lorsqu'on est à 90 minutes d'une Coupe d'Europe, je suppose qu'on rêve quoi qu'il arrive. Oui, c'est sûr, ça fait rêver. Tout d'abord, je crois que la priorité du club, c'est le maintien en première division, bien sûr. On s'est donné un peu d'air avec ce match contre Sochaux, même si on n'a pas été trop bon. Je pense qu'on avait un peu dans nos têtes ce match ce soir contre Paris. Bon, comme on s'est donné un peu d'air, je crois qu'on peut jouer à fond cette finale et j'espère de tout cœur qu'on va la remporter. Voilà, monsieur Léné, c'est aussi plaît. On est prêt pour cette première finale de la Coupe de la Ligue. Nouvelle forme de l'Europe. Eh bien, le voilà donc pour cette première finale. En jeu du match, on va dire, et peut-être. Voilà, c'est parti pour Marcel Léné, pour Olivier Zanova. Je me suis déboîté l'épaule, a-t-il dit. Ça va faire mal. Hein. Ah oui, là, nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Ah, regardez, il ne branche pas. Regardez son bras, la grande. Il parle le bon Laurent Casanova. Oh, il est bien frappé. Oh, il est bien frappé. Oh, il est frappé. Disons que sur la vue du match, je pense que surtout en fin de première mi-temps, on aurait mérité l'organisation. Bon, l'arbitre de touche a levé, bon, à tort, c'est dommage. Mais je pense que les Parisiens n'ont pas besoin d'un coup en plus pour nous battre. Donc, quand on respecte les règles, on joue chez eux, on a du mal, on est moins fort qu'eux. Et si on leur refuse les buts comme Marc, ça va être difficile. Allô, centre devant le but. Ouais, but. Un but de rail. Et monsieur Simonet. Dans la tribune officielle. Les saisons suivantes, le Sporting réussira de belles performances, avec à sa tête un jeune entraîneur corse. Il deviendra une valeur sûre de ce championnat, avec comme à l'accoutumée des coups d'éclat, qui lui permettront d'être régulièrement dans le haut du tableau. Le club acquérera une régularité. Comme à ses plus belles heures, Fourian y redeviendra cette pelouse hostile, où il est bien difficile d'y venir, mais surtout d'y repartir avec des points. C'est ma vie. Quand je rentre sur le terrain, je suis un autre homme. Je suis un peu avancé en âge, mais il me semble d'avoir 30 ans. Quel âge avez-vous? 80 ans bientôt. 80 ans. Je crois que j'en ai encore pour une cinquantaine d'années. Ça ne me change pas. Je suis heureux. Vous voyez, je rentre ici. C'est comme si j'avais 30 ans, c'est pareil. À ce sérieux et à cette régularité, on peut ajouter un savoir-faire traditionnel en matière de recrutement. À savoir que le club, malgré ses moyens financiers dérisoires par rapport aux autres clubs de Ligue 1, a toujours su attirer à Bastia, dans ce club familial, des joueurs prestigieux. Le Sporting recrute malin. Le Sporting recrute bien. Il ne faudra que 3 ans au club pour que le parfum enivrant des joutes européennes ne fasse ressurgir de l'inconscient collectif la liesse des folles nuits bleues. Que le vent des victoires mythiques ne s'engouffre à nouveau dans ses drapeaux fièrement tendus. L'histoire serait-elle un éternel recommencement? Après un parcours sans faute en Intertoto, le Sporting débute sa campagne européenne face à Lisbonne. Eh oui, tu as bien entendu. Mais cette fois-ci, c'est Benfica qui débarque à Fouriani, 2 décennies après son grand rival. Le Sporting se qualifiera de belle façon. Et déjà, le rêve d'une nouvelle épopée alimente toutes les conversations. Les anciens se remémorent avec nostalgie cette période faste et unique. Les jeunes bleus qui ont été bercés par ces histoires espèrent connaître, toucher du doigt, pouvoir mettre enfin des émotions sur des paroles, des mots, des images. Ils vont vivre, c'est certain,
les grands rendez-vous que leurs pères ont connus. Du moins, ils le croient. Malheureusement, le Sporting sera éliminé rapidement, la malchance ayant choisi son camp. On se doit, justement, à travers ce que le football corse a apporté au football français, eh bien de lui rendre visite. Et moi, je suis très heureux et très fier d'être ici ce soir. Par la suite, le Sporting se fera un peu plus discret au niveau national. Le coach Kazinke est parti, le club a du mal à rebondir. Il faut tourner la page, chercher un second souffle. En 2002, malgré l'effectif assez réduit quantitativement et qualitativement dont dispose Robert Nouzaret, le Sporting réalise sa meilleure saison. Il finit au milieu de tableau en championnat et il sera pour la troisième fois de son histoire finaliste de la Coupe de France. Non plus au Parc des Princes cette fois-ci, mais au Stade de France à Saint-Denis, les Rois ayant remplacé les Princes. Toutes les conditions sont réunies pour une fête grandiose. Adversaire modeste, 30 000 supporters Bastia déchaînés, et comme bien d'autres stades des années auparavant, le peuple bleu venait de faire sienne cette enceinte gigantesque. Malgré cela, la soirée sera un vrai cauchemar. Donc c'est déjà une info, c'est que le ministre des Sports et le président, je pense, à ses côtés, sont toujours dans le Stade de France, dans l'enceinte du Stade de France. Pour l'instant, oui, ils ont quitté leur place. Hein. Dire, mais ils ont quitté leur place, absolument. Sur ses lèvres, je m'en vais, et effectivement, le président de la République a quitté le stade. Et selon toute vraisemblance, eh bien, il n'assistera pas à cette finale de la Coupe de France. C'est le capitaine qui présente ses coéquipiers. Personne ne s'en remettra. Cette soirée marquera à nouveau le début d'un déclin. En effet, les deux années qui suivent seront très décevantes malgré un recrutement alléchant. Les résultats ne suivent plus. Petit à petit, un fossé se creuse entre le club et ses supporters pour diverses raisons. La saison du centenaire marquera le point d'orgue, le fin de cycle brutal mais logique. Un retour dans les brumes du purgatoire que l'on pensait pour toujours banni. Aujourd'hui, le Sporting est sur la voie de la rédemption. Il tente de retrouver la confiance des siens qui ont pu se sentir trahis et offensés. Mais tu sais qui aime bien châtie bien. La route du salut sera peut-être longue, mais j'ai foi en ce club à part, à la dimension culturelle et sociale unique, qui a toujours su se relever d'où l'on ne se relève pas.
te souhaite une longue et belle histoire d'amour avec le Sporting. Aussi forte, aussi passionnée qu'elle ne l'a été pour moi. Qu'elle t'apporte tout le bonheur du monde et surtout le moins de peine possible. La vie est là. L'avenir t'appartient. Suis le chemin. Arbore toujours fier et digne ce maillot mythique. Cette tunique sainte teintée d'azur, que tant d'hommes, gardiens des reliques centenaires mouillées et défendus corps et âme. Le Sporting sera toujours cette étoile qui scintille dans nos nuits, au-delà des âges, des clivages. Le repère sans faille à l'orée d'une aube nouvelle, l'espoir charnel qui nous emmène loin dans les songes. Quand les angoisses quotidiennes s'installent dans les esprits, le Sporting devient ce jardin féerique où naissent les clameurs d'espoir sous les drapeaux victorieux. Finché un braccio danera o andera, abbassione turchi non si spegnerà. Uniti sino a vittoria, forza Astia. Quando la turchina comincia l'ora.